L'audience pour le combat des siècles était à sa place. Avec splendeur se présentèrent les anges. Puis les saints déjà parvenus, Jérémie, Enoch et Job. Tous, ils psalmodiaient le chant de Sion sur la harpe. Les démons arrivèrent, laids et vilains, maudissant et blasphémant, suivis de leurs trophées mortuaires. Napoléon, Pharaon, Capone, ravagés, ils peinaient en attente du jugement. Puis un frisson passa dans la foule, et tous les démons sifflèrent, alors qu'une présence répugnante se fit sentir. Vêtu avec éclat, les mains bien hautes, il apparut, escorté. Satan monta des enfers. Puis Satan courba, et les démons gémirent, et les pécheurs plièrent. Car une puissance roula comme le tonnerre, avec une forte lumière qui éclaira tout l'univers. Avec gloire, il apparut, le Fils de Dieu. Personne extraordinaire se place au centre. Dieu le Père supervise le duel. Il ouvre le livre, par crainte tous se taisent. Avec majesté il dit: voici les règles. Il sera percé pour leurs crimes et brisé pour leurs fautes. Quand il dit ses plaies les guériront, le diable tremble. Il dit: la maladie, ça va. Je déteste les voir guérir. Dieu dit: toi, tais-toi. J'ai établi des règles. Puis le père regarde son fils et dit: tu sais que tes plaies les guériront et que ton sang les purifiera de tout péché. Puis il pointe le doigt vers Satan et lui dit: et toi, je sais que tu connais les règles depuis les temps anciens, que tu les détournes pour tromper mon peuple. Satan raille: je t'aurai, Jésus, et je gagnerai ce match. Les démons sifflèrent: pas question de perdre. Satan raille: t'en as plus pour longtemps, Jésus. Tu es mort, Jésus. Je vais te le faire payer. Jésus dit: vas-y, commence. Bondit de rage, mais ses mauvais tours n'eurent aucun effet. Il lança ses poignards de haine, d'orgueil et d'envie. Mais les mains pures de Jésus les arrêtèrent tous. Cela dura 40 jours et 40 nuits, et Satan ne put rien. En connaissant l'heure, le Christ baissa les mains, et Satan frappa très fort. Le coup mortel renversa le grand roi. Les démons rugirent, les saints restèrent muets, perplexes. Des plaies couvrirent ses mains et ses pieds. Satan le frappa au côté. Eau et sang coulèrent. Et là, ils attendirent pour le compte à Dieu le Père se détourna. Ses larmes annonçaient la mort du Fils. Les 10 coups marqueraient la fin du match. Puis Satan trembla dans sa sueur, criant avec horreur:
alors que Dieu comptait en disant 10. Une minute, Dieu. Arrête de compter. Ses yeux bougent, ses doigts se convulsent. D'où vient cette lumière? Non! Il vit! Oh non! Victoire!